Bonjour, je m'appelle Jérémy, j'ai 33 ans. J'ai rejoint Aldoria en juin 2023 et j'occupe actuellement le poste de manager de notre équipe de développement produit. Après plusieurs années d'expérience sur des postes plutôt techniques en tant que consultant pour des grands groupes, j'ai eu envie de rejoindre une plus petite structure, plus dynamique, afin de pouvoir aussi participer activement à son développement. Je me suis donc orienté vers le secteur de la SSA qui est en plein essor actuellement et plus particulièrement vers Aldoria, que j'avais rencontré à l'IAC en 2022. J'avais eu pas mal de discussions avec toutes les équipes, Alexis, notre CTO, et Romain, notre CEO, sur le projet qui est très ambitieux et sur la place que je pourrais occuper au sein de l'organisation. Et donc, après quelques mois de réflexion, je me suis décidé à rejoindre l'aventure. En tant que manager, je m'attache à comprendre les thématiques techniques traitées au sein de l'équipe afin d'apporter du support, de garantir la cohérence des plannings et des travaux tout en réfléchissant aux grands défis de R&D à traiter dans le futur. Au quotidien, je pense que mon travail est aussi très centré sur l'humain. J'essaie de partager mon expérience avec mes collaborateurs, de maintenir une bonne dynamique d'équipe, de comprendre leurs problématiques et d'être moteur dans la construction de leur carrière. Les thématiques traitées chez Aldoria couvrent aujourd'hui tous les segments de la SSA et de la SDA, et nos travaux nous poussent assez fréquemment aux limites de l'état de l'art actuel dans de nombreux domaines, que ce soit pour la construction de notre réseau d'observation ou pour le développement de nos services de protection de l'environnement orbital. Je pense que c'est un contexte qui est assez novateur et qui permet à chacun de travailler sur des projets assez innovants et passionnants tout en participant activement à la construction du futur de notre secteur d'activité. Pour finir, j'ajouterai que notre startup est encore relativement jeune et ce qui nous place dans un environnement très dynamique. Je pense que ça offre de belles perspectives de carrière pour tous les passionnés du spatial, de data science, de mécanique, d'optique, et qui seraient désireux de construire une carrière dans le domaine. Et j'invite donc tous les curieux à se renseigner sur notre actualité, nos activités et nos futures ouvertures de postes.